682 exécutions ont été officiellement recensées en 2012 dans 21 pays. En tête des nations qui appliquent le plus la peine de mort, la Chine compte plus d'exécutions que le reste du monde. Le chiffre exact est inconnu, mais elle se compterait par milliers. Par ailleurs, la peine capitale a été appliquée au moins 314 fois en Iran, 129 en Irak, 79 en Arabie Saoudite et 43 fois aux États-Unis. En Irak, le chiffre est presque le double des 68 exécutions de 2011. Malgré une tendance générale à l'abolition, plusieurs pays ont repris les exécutions en 2012 après un moratoire. L'Inde a effectué sa première exécution depuis 2004. Ajmal Kazab, impliqué dans les attentats terroristes de Bombay en 2008, a été pendu en novembre. Et le Japon a mis fin en mars à une période de 20 mois sans exécution. Un premier condamné à mort sur 7 a été exécuté. En 2012, au moins 1722 nouvelles condamnations ont été prononcées dans 58 pays. C'est 200 de moins qu'en 2011. Des sentences qui interviennent pour des faits variés, des infractions économiques aux problèmes de drogue, en passant par le blasphème, l'adultère ou encore le meurtre.